Agence Rivira, bonjour. Bonjour, Monsieur Possible, Irina Kaslava. Bonjour, Mademoiselle. Je vous passe, Monsieur Ouchanko. Bonjour, Monsieur Possible, Dimitri Ouchanko. Enchanté, Monsieur Ouchanko. Je vous contacte sur les recommandations d'un ami, Monsieur Sergei Kasparov, à qui vous avez vendu une villa l'année dernière. Monsieur Kasparov, oui, je m'en souviens très bien. Une magnifique propriété sur le Cap Ferra, un homme charmant. Ma demande est un peu particulière et je ne sais pas si vous pourrez m'aider. Je vous écoute, de quoi s'agit-il J'envisage de prendre ma retraite, dans quelques mois, et je désire acheter une propriété sur la côte d'Azur. Il y a environ deux mois, Irina a repéré une annonce intéressante sur Le Bon Coin. En regardant le dossier photo, la vidéo et le descriptif, je suis immédiatement tombé amoureux de cette propriété, c'était exactement ce que je cherchais. Effectivement, c'est un secteur particulièrement prisé des amateurs d'art contemporain. Irina a contacté le notaire mais il lui a dit qu'un compromis de vente venait d'être signé, très déçu, j'ai demandé à Irina de continuer les recherches. Trois semaines plus tard, Irina a reçu un mail du notaire. L'informant que le compromis de vente de la propriété de Saint-Paul-de-Vence avait été annulé, car l'acheteur n'avait pas pu obtenir son prêt, il nous suggérait de faire rapidement une offre car plusieurs acheteurs étaient sur les rangs. Oui, je ne suis pas surpris. Je me suis entretenu, par téléphone, avec le notaire, et comme je devais me rendre à Paris pour mon travail, nous avons convenu d'un déjeuner d'affaires, à la Tour Eiffel, pour le jeudi midi. Le jeudi comme convenu, j'ai rencontré le notaire au restaurant de la Tour Eiffel. Il m'a expliqué que la propriété appartenait à Bernard Toupie, et qu'il devait la vendre pour payer son redressement fiscal. J'ai fait une offre pour 2 millions et demi d'euros et dans la foulée, j'y ai effectué un dépôt de garantie de 2%, soit 50 000 euros nous avons convenu d'un rendez-vous à Saint-Paul-de-Vence à la fin du mois pour visiter la propriété. C'était une affaire rondement menée. Effectivement, je voulais être certain que cette fois, la propriété ne m'échapperait pas, comme prévu, à la fin du mois, je me suis rendu à Saint-Paul-de-Vence avec mon épouse, nous avons patienté environ une heure devant la propriété. Maître Bécile ne s'est jamais présenté. Vraiment La ligne de son portable et son adresse étaient hors service. Je me suis rendu à la mairie et on m'a indiqué le nom du notaire qui s'occupait de la vente, un certain Bernard Cotique de Nice. Effectivement j'ai déjà eu affaire à Maître Cotique, c'est un professionnel très sérieux. Lorsque j'ai contacté Maître Cotique, il m'a confirmé qu'il avait un mandat de vente exclusif, de la propriété de Saint-Paul-de-Vence. Par ailleurs, il n'avait jamais entendu parler de maître Bécile. Si je comprends bien, vous avez eu affaire à un usurpateur qui vous a escroqué. C'est bien cela, j'ai pensé que, comme vous étiez vous-même dans l'immobilier, vous auriez peut-être déjà entendu parler de cas similaires. Et que vous pourriez éventuellement m'aider à retrouver cet escroc. Je vais passer quelques coups de fil mais je ne vous promets rien. Je comprends. Je vous recontacterai dans quelques jours pour vous tenir au courant. Merci beaucoup monsieur possible. C'est vraiment très aimable de votre part. Il va sans dire que je prendrai en charge tous vos frais et que je vous réglerai vos honoraires, quelle que soit l'issue de votre démarche. C'est entendu monsieur Ushanko. À bientôt. À bientôt monsieur possible.